this evening that moderation, the use of sugar, sweeteners in moderation is a good idea. Et il a dit dans le passage que utiliser le sucre, l'utilisation du sucre avec modération est une bonne idée et est bonne. I said I would like to invite you to pray with me for a moment. Et j'ai dit j'aimerais vous inviter à prier pour un moment. And we had a short prayer. Et on a eu une petite prière. And we started our program. Et on a commencé notre programme. We had demonstrations, lectures, or discussions. On a eu des démonstrations, des lectures, des discussions. The very next week, I was asked by one of those individuals attending if I would come to their home and visit them. Et la semaine d'après, j'ai été interrogé par ces personnes qui venaient au cours si j'allais aller chez eux, si. And so I set up an appointment and went. Et donc j'ai mis un rendez-vous et j'y suis allé. And I walked into their room, they welcomed me. Et je suis rentré dans leur leur appartement et ils m'ont accueilli. And the first question, the first statement they made was, "We have no idea that the Bible says anything about health." Et la première question qu'ils m'ont posée, c'était la première réflexion qu'ils m'ont faite, c'est que on ne savait pas du tout que la Bible parlait de la santé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? They opened the door wide. Ils ont ouvert les portes grandes ouvertes. I didn't even have to wait to try to talk about some or bring the conversation that way. J'avais même pas besoin d'attendre pour diriger cette conversation. I learned a very important lesson. J'ai appris une leçon très importante. That if we hide our light, que si on cache notre lumière, very few people will show an interest. Très peu de personnes vont montrer de l'intérêt. Now we have to be gentle. On doit être gentil. We need to be careful. On doit faire attention. But we have been given a mission. Mais on nous a confié une mission. And ever since then, et depuis ce moment-là, I have tried to practice that principle. Et j'ai essayé d'appliquer ce principe. Now over the years I've discovered wonderful and beautiful ways of sharing God's word. Et dans les années, j'ai appris plusieurs façons et manières de partager les paroles de Dieu. And what it has to say about healthful living. Et ce qu'il a à dire à propos de vivre de façon saine. And I have never forgotten the wisdom of that retired pastor that visited with me. Et je n'ai jamais oublié ce que ce pasteur qui m'a visité m'a dit. We need to share Jesus as the only effective agent of change in people's lives. On doit partager le fait que Jésus est le seul agent effectif du changement. Identifying yourself as a spiritual person is the first step. S'identifier comme une personne spirituelle est une première étape. We have been given much counsel that the medical missionary work is in no case to be divorced from the gospel ministry. La mission médicale ne doit pas être divisée du ministère de la louange et du partage de la parole de Dieu. The two should be closely linked together. Les deux doivent être sciemment liés. And without doing that, the work is not complete. Et sans faire ça, le travail n'est pas complet. Too often, trop souvent, we offer wonderful health programs in the community. On offre de très bons programmes de santé dans la communauté. But they are godless programs. Mais ce sont des programmes sans Dieu. And when we do that, we fail in the mission that God has called us to. Et quand on fait ça, on échoue dans la mission que Dieu nous a donnée. We are called to demonstrate to people
that the only power that can bring permanent change in their lives is the power of Jesus Christ. On est appelé à montrer aux gens que la seule chose qui peut apporter du changement permanent dans leur vie, c'est d'être avec Jésus, c'est Jésus. Every once in a while, somebody says, "What is the health message?" Quelquefois, il y a toujours quelqu'un qui dit, "Qu'est-ce que c'est le message de la santé?" And I would like to suggest to you this evening that it is more than a set of scientifically established health practices. Et j'aimerais vous faire comprendre dans cette soirée que c'est mieux qu'un paquet de pratiques scientifiques qui ont été établies. It is more important than all of its individual parts. C'est plus important que ses parties individuelles. It does way more than science can demonstrate. Et ça fait beaucoup plus que ce que la science peut démontrer. Because the eternal health benefits only come from Jesus. Parce que les bénéfices éternels viennent seulement de Jésus. And this may sound a little strange, but I believe that the Seventh-day Adventist health message brings the dead to life. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que le message de santé de l'Église Adventiste du Septième Jour peut ramener les morts à la vie. We all know that when Jesus was here on this earth, He performed many miracles, including raising the dead from life. On sait que lors du passage de Jésus sur terre, il a fait beaucoup de miracles, comme le fait de ressusciter quelqu'un. Ellen White tells us that to arouse those spiritually dead, to create new tastes, new motives, requires as great an outlay of power as to raise one from physical death. So Ellen White nous dit que pour créer de nouvelles saveurs, de nouveaux motifs, cela requiert de grands pouvoirs pour pouvoir élever quelqu'un d'une mort physique. To create new tastes and new motives in people is what health education is all about. Créer de nouveaux goûts et de nouveaux motifs à personne, et c'est ce que le ministère de la santé a comme objectif. And so we are told that it takes as much power to change those tastes and motives as it does to bring somebody who is dead to life. Et ça nous dit que ça nous demande autant de pouvoir et d'efforts que d'essayer de ressusciter quelqu'un de la mort. And Jesus is the life giver. Et Jésus est celui qui donne la vie. The health message cannot be separated from Jesus. Le message de la santé ne peut pas être séparé de Jésus. The most skillful and the most perceptive scientists cannot bring the dead to life. Les plus doués et les plus perspicaces des scientifiques ne peuvent pas ramener la mort à la vie. Only the gospel can bring people to life. Seulement les œuvres de Dieu peuvent ramener les gens à la vie. And so Jesus is the health giver. Et donc Jésus est celui qui donne la santé. And our mission. Et notre mission loses its strength and power if it is separated from the gospel message. Notre mission perd son pouvoir lorsqu'il est séparé du message de Dieu. Living healthily may yield a few years of added life. Vivre sainement pourrait nous faire gagner plusieurs années de vie. But the mission that God has given to us. Mais la mission que Dieu nous a donnée is to teach and demonstrate that the power to change comes from Jesus. Mais la mission nous montre qu'il faut montrer que
la guérison totale viendra seulement de Jésus. The object of our work is to point people to Jesus. Sorry, could you? The object of our work is to point people to Jesus. L'objectif de notre travail est de montrer Jésus. The object of medical missionary work is to point sin-sick men and women to the man of Calvary. L'objet de, du ministère médical est de diriger les personnes malades et les femmes et les hommes malades. When we separate the two, we lose out on the objective of our mission. Lorsqu'on sépare les deux, on perd cet objectif. Now we do this, we accomplish this in a very specific way. Nous faisons ça, nous accomplissons ça d'une façon. Sometimes we think that maybe some people think that I'm talking about prophecy and many other the distinctive parts of the Bible message. Quelques personnes pensent que je parle de points distinctifs et autres du message de la Bible. But just like the farmer tills the soil before he plants the seeds. Mais comme le fermier creuse le sol avant de mettre ses graines. We need to soften people's hearts. On doit adoucir le cœur des gens. And the very best way of doing that. Et la meilleure façon de faire ça is to focus on building long-term relationships. C'est de se focaliser à créer des relations à long terme. Too often we think about just planning a program. Trop souvent, on pense qu'à à faire un programme. When the program's done, we think about something another year later. Quand le programme est fini, on pense à quelque chose pour l'année prochaine. Too often we host a program that may be four nights in length or longer, or maybe it's four nights a week for 6 weeks. Trop souvent, on fait des programmes qui durent plusieurs semaines. And often professionals do the presentations. Et souvent, ce sont des professionnels qui font les présentations. Maybe we use some kind of video or DVD. Et peut-être qu'on utilise une sorte de vidéo ou de DVD. The event interrupts the life of the church. L'événement interrompt la vie de l'Église. And when it's all over, we go, we don't have to do that for another couple of years. Et quand c'est fini, on se dit, on n'a plus du tout à faire ça pendant un certain nombre d'années. And too often, our administrators evaluate the success of that program by the number of baptisms that happen right away. Et trop souvent, nos administrateurs évaluent le succès de ces programmes par le nombre de personnes qui se sont fait baptiser après le programme. Today, free time has changed. À présent, le temps libre a changé. How many of you have more free time today than you did 2 years ago? Combien d'entre vous ont plus de temps libre aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 2 ans? 10 years ago. 10 ans. None of us do. Aucun de nous n'en a. Life gets more busy. La vie devient de plus en plus occupante, on est de plus en plus occupé. I retired a year and a half ago. J'ai pris ma retraite il y a une année. It seems like life is busier today than it was even when I was working. Et il me semble que la vie est beaucoup plus occupante que quand moi je travaillais. If we look at how life was lived 40 years ago. Et si nous regardons comment la vie était faite il y a 40 ans. Most people had more discretionary time. Beaucoup de gens avaient plus de temps.
Part of it is because there weren't very many televisions. Une partie de cela, c'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision. There were no computers that most people had. Il n'y avait pas d'ordinateur que plusieurs personnes ont. We didn't have cell phones. On n'avait pas de smartphone. There was no such thing as Facebook. Il n'y avait pas Facebook. Or any other kind of social networking. Ou une autre sorte de réseaux sociaux. Many people were very pleased to come to a program. Beaucoup de gens étaient vraiment ravis de venir à un programme. Because it offered a diversion to their usual lives. Parce que ça leur offrait une diversion à leur vie quotidienne. Today, aujourd'hui, there are so many things that impinge upon free time. Il y a tellement de choses qui prennent de la place sur notre temps libre. And a program that convenes 20 times in a period of 4 to 6 weeks. Et un programme qui prend en compte 20 fois dans une période de 4 à 6 semaines. It excludes most people. Ça exclut une majorité de personnes. And so when we do a program, we often attract the retired. Donc quand on fait un programme, ça attire souvent les retraités. The unemployed. Les personnes au chômage. And sometimes the socially unique. Et les personnes uniques socialement. There are exceptions. Il y a des exceptions. But there are not too many of them. Mais il n'y en a pas beaucoup. And so when we do programs, we need to be sensitive to the community. Et donc, quand nous faisons des programmes, nous devons être sensibles à la communauté. And 4 times a week may be too much. Et peut-être que 4 fois durant la semaine est un peu trop. We have discovered in recent years that it's probably better to do something 1 time a month. Et nous avons découvert dans les recherches qu'il est peut-être mieux de faire quelque chose qu'une seule fois well, durant le mois et le faire bien than to even try to do it 1 time a week. Que d'essayer de le faire une fois par semaine. But that 1 time a month may be every month, 12 months out of the year. Mais peut-être que cette une fois par mois peut être fait plusieurs fois chaque mois et donc 12 fois dans l'année. I call those low intensity programs. J'appelle ça des programmes à intensité moins lourde, passive. There's a continual influence in the community from 1 month to another. Il y a une influence continuelle dans la communauté d'un mois à un autre. And that can be done year after year. Et cela peut être fait d'année en année. I'm acquainted with churches that have done this very thing for 28 years. Et je connais des églises qui ont fait ceci pendant 28 ans. Once a month. Une fois par mois. 12 months out of the year. 12 mois de l'année. Maybe 11 months out of the year. Peut-être 11 mois dans l'année. Sometimes there are holidays that make it impossible to do it on 1 month. Peut-être que des fois il y a les vacances qui font que c'est impossible de le faire dans un mois. But year after year. Mais chaque année. There is that continual exposure to people in the community to the church. Et chaque année, il y a cette exposition continuelle des personnes de la communauté à l'église. It doesn't wear out the talent of the talent pool of the church. Et ça n'enlève pas le talent pool. The people who are involved in the program. Ah, ok, donc ça n'enlève pas les personnes qui sont impliquées dans le programme. They can do it once a month. Ils peuvent le faire une fois par mois. They don't get too tired. Ils ne sont pas trop fatigués. And it maximizes the contact between the church and the community. Et ça maximise le contact entre l'église et la communauté. And it can be conducted by any church, regardless of its size or the talent of the people in the church. Et ça peut être conduit par n'importe quelle église et
Bon, il n'y a aucun rapport avec les différents talents ou la taille de l'Église. We have to remember that health ministry is a process. Nous devons nous rappeler que le ministère de la Santé est un processus. It's not an event. Ce n'est pas un événement. And we need to train church members to work in this kind of setting. Et on doit entraîner les membres de l'Église à travailler dans ce programme. It's not a sprint, it's a marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. We have to have structured follow-up activities. On doit avoir des activités structurées qui se suivent. God's word and prayer are the only way to bring about permanent transformation in people's lives. Les mots de Dieu et la prière sont les seules choses qui peuvent apporter de la transformation permanente dans les vies. Let me tell you a story about Tom. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Tom. In 1978, I did a smoking cessation program. En 1978, j'ai fait un programme pour... And there were about as many people as you are here tonight. Et il y avait à peu près autant de personnes qui ici aujourd'hui. They wanted to stop smoking. Ils voulaient arrêter de fumer. When the first evening finished. Quand la première soirée s'est terminée. Several people came up to talk to me. Certaines personnes sont venues vers moi pour me parler. And I noticed that one of them was extremely upset. Et j'ai vu que l'un d'entre eux était extrêmement fâché. Et son visage était rouge et il serrait les poings. I didn't know what he was going to say. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. And he almost shouted at me. Et il m'a presque crié dessus. I don't want to ever hear anything about God again. Je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu. There's no such person as God. Il n'y a pas une personne comme Dieu. And he said, I won't come to this program if you talk about God again. Je ne vais pas venir à ce programme si vous parlez encore de Dieu. I had made only one single sentence reference to God. Je n'ai fait que parler en une seule phrase de Dieu. And I thought, you know, when people are angry, it doesn't do you any good to talk, discuss things with them. Vous savez, quand des personnes sont fâchées, ça nous fait ô combien de discuter avec elles. And I thought to myself, people who are angry like that, they won't come back the next night. Et je me suis dit à moi-même, des personnes qui sont fâchées à ce point ne vont pas revenir la nuit prochaine. But you know, mais vous the savez, next night he was there. La nuit d'après, il est venu. The program was finished. Le programme s'est terminé. He came up even angrier. Et il est venu encore plus fâché. And he really told me off. Et il m'a vraiment mal pris. Il a vraiment mal. Ça s'est vraiment mal passé. He wasn't open to discussion. Il n'était pas ouvert à la discussion. I thought, he won't be back again. Je me suis dit, il ne va pas revenir But the next encore. Night he was. Mais la nuit d'après, il y était And the encore. Next night he was. Et la nuit d'après, il y était encore. Every night he was there. Toutes les nuits, il était là. And on the last night of the program, et à la dernière nuit du programme, I didn't know what he was going to say, but he was there to talk to me. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais il était là And pour he put me parler. Both hands on his hips. Et il a mis ses deux mains sur ses hanches. And he said, I just want you to know that I quit smoking. And it had nothing to do with God. Et je voudrais juste te dire que j'ai arrêté de fumer et ça n'avait rien à voir avec Dieu. And I smiled at him. Et je lui ai souri. And I said, "That's wonderful news, Tom." Et je lui ai dit, c'est une nouvelle fantastique, Tom. I am so glad you have quit smoking. Je suis tellement content que tu aies arrêté de fumer. He didn't have much else to say that evening. Il n'avait pas autant à dire ce soir-là. I thought I'll never see him again. Mais même si je ne le verrai plus jamais. But our practice in at that time was to invite every person that came to a health program to bring their family once a month to a vegetarian meal that we were serving in the church.
Donc, une chose que nous avions mise en place, c'était d'inviter les personnes qui étaient présentes à la soirée, d'amener une fois par mois des membres de leur famille à un dîner végétarien organisé. There was no charge. They could come whenever they wanted to. Il n'y avait pas d'attache. Ils pouvaient venir quand ils le voulaient. And I was shocked that the next time we had that meal, Tom, his wife, and two children were there. Et j'étais choquée que le moment d'après où on avait organisé ce dîner, Tom, sa femme et ses enfants étaient présents. I welcomed them. Je les ai accueillis. And I think he had a good evening. Et je pense qu'il a eu une bonne soirée. For the next almost 6 years. Pour les 6 prochaines années. He and his family rarely missed an evening. Sa famille a rarement raté une soirée. I invited him several years later to take Bible studies. He wasn't interested. Et je l'ai invité des années plus tard à venir prendre des études, venir We faire had des some études public bibliques, meetings. Mais il n'était pas intéressé. I invited him. He didn't come. Il y a eu des rencontres publiques. Je l'ai invité, mais il n'est pas venu. I was a bit disappointed. J'étais un peu déçu. He moved away. Il a déménagé, il est parti. Had a job transfer. Il a eu un transfert dans son boulot. We moved away. Nous avons déménagé. We lost track of Tom and his family. On a perdu de vue Tom et sa famille. 35 years later. 35 années plus tard. I received a phone call in my office. My secretary told me there was a Tom that wanted to talk to me. J'ai reçu un appel à mon bureau et ma secrétaire me dit il y a un Tom qui voudrait vous parler. And she said he will not give his last name. He says you know him. La secrétaire a dit il veut pas me donner son nom de famille. Il dit que tu le connais, que vous le connaissez. So I picked up the phone. I said, "This is Fred. How can I help you?" Et donc j'ai pris le téléphone et j'ai dit ici Fred. He said, "This is Tom. Do you remember me?" Il a dit ici c'est Tom. Est-ce que vous vous rappelez de moi? I think the Lord helped me remember who he was. Je pense que le Seigneur m'a aidé à me rappeler de qui il était. I recognized that voice. Je me suis rappelé de cette voix. And I said, "Yes, I do." Et j'ai dit, oui, je me rappelle. He said, how can you know me? Il lui a dit, mais comment peux-tu me connaître? I said, well, Tom, since you and I talked the last time, I have been a teacher, a professor. Tom, à vrai dire, depuis la dernière fois où nous avons parlé, je suis devenu un professeur. And professors only remember their best students and their worst students. Et les professeurs se rappellent seulement de leurs meilleurs et leurs pires élèves. He said, which one was I? Et il lui a dit, lequel étais-je? I said, you called me for some reason. Et je lui ai dit, tu m'as appelé pour une raison. You tell me. À toi de me dire. And before we hang up, I'll answer that question. Et avant que nous raccrochions, je répondrai à cette question. He then told me a most wonderful story. Et il m'a raconté une formidable histoire. Of how he and his wife had a successful career. Et comment lui et sa femme avaient une carrière, une bonne carrière. They had retired. Ils ont pris leur retraite. And then they had a big problem. Et puis ils ont eu un grand drame. They couldn't find the solution to that problem. Et ils n'arrivaient pas à trouver une solution à ce drame, à ce problème. It had to do with finances. Ça avait un rapport avec les finances. And after 3 or 4 years of losing a lot of money. Et après 3 à 4 ans à continuer de perdre de l'argent. And not being able to solve the problem. Et à ne pas être capable de résoudre le problème. They began discussing the possibility that God might be able to help them. Ils ont commencé à discuter sur la possibilité que Dieu puisse les aider. And finally one day. Et finalement, un jour, his wife said to him, wasn't it
a church that helped you stop smoking? Et sa femme lui dit, ce n'était pas une église qui t'a aidé à arrêter de fumer. And he said, yeah, but I have no idea what the name of that church is because I've forgotten. Et il lui a dit, oui, mais je n'ai aucune idée de quel était le nom de cette église parce que j'ai oublié. And after talking about it for a few days, et après en avoir parlé pendant quelques jours, he remembered the name Seventh-day Adventist. Il s'est rappelé du nom l'église adventiste du septième jour. And they looked up in the phone book. Et ils ont cherché dans le livre de numéro de téléphone. And they found there was a Seventh-day Adventist church 4 blocks from where they lived. Et ils ont appris qu'il y avait une église adventiste du septième jour à quelques pâtés de maison où ils habitaient. They went to visit. Ils y sont allés pour visiter. And through a remarkable chain of events, et dû à un changement d'événements remarquable, Tom and his wife, Tom et sa femme, were baptized as Seventh-day Adventists. Se sont baptisés dans une église adventiste. Because there was somebody in that church who was able to help them solve their problem. Parce qu'il y avait quelqu'un dans cette église qui a été capable de les aider à résoudre leurs problèmes. And the reason he called me was to tell me what had happened. Et la raison pour laquelle il a appelé, c'était pour me dire ce qui s'était passé. And he asked me for forgiveness for how angry and rude he had been. Had been many years before. Et il m'a appelé pour me dire et pour me demander pardon pour comment il s'était comporté et comment il était fâché il y a 30 ans. I had forgiven him long ago. Je lui avais pas dit, mais je lui avais pardonné il y a très longtemps. Health ministry is not something that produces instant results. Le ministère de la santé n'est pas quelque chose qui produit des résultats immédiats. But when it's done right, mais quand c'est fait de la bonne manière, under the unction of the Holy Spirit, sous l'influence du Saint-Esprit, and with the purpose of truly making friends of those that we serve, et avec comme but de vraiment en faire de les personnes qu'on sert des amis, it is amazing what God does. C'est formidable ce que Dieu fait. Now I think we also need to love people more than we do the health principles. Il est aussi important d'aimer les gens plus que d'aimer les principes de la santé. For some reason. Pour quelconque raison. Certain aspects of health reform. Certains aspects. Attract fanatics. Certains aspects de la réforme de la santé. Attire les fanatiques. Que c'est l'ère de la nutrition qui le fait le plus. I have yet to see anywhere in the world a church that quarreled over the amount of exercise that people believe they should get. J'ai été témoin du nombre de personnes qui pensaient avoir besoin de se faire exorciser. Or how much sleep they need. Ou de combien de sommeil ils ont besoin. The health message is many things. Le message de la santé est beaucoup de choses. But it seems that we quarrel over what we should or shouldn't be eating. Mais il semble que nous should or should not be eating. Que on se bat sur sur ce que l'on devrait et ne devrait pas manger. And I think that's sad. Et je pense que ça c'est triste. I could tell you many stories. Je pourrais vous raconter plein d'histoires. But Satan loves that kind of work. Mais le Satan aime ce genre de travail. Mais Satan aime loves ce genre de travail. He loves to see people fighting. Il aime voir les personnes se battre. Over wonderful principles. Pour des principes formidables. I believe that we should all have
a quiet, consistent example. Je pense que on devrait avoir un exemple doux et consistant. I believe that's the most effective way of working. Je pense que c'est la manière la plus effective de travailler. And so we need to love people. Et donc nous avons besoin d'aimer les gens. More than we do the Hills principles. Plus que les principes de la santé. I was recently told a story for a good friend of mine told it to me. Récemment, un ami à moi m'a raconté une histoire. In their church, dans leur église, had done many cooking classes and other health education classes. Ils ont fait beaucoup de classes de cuisine et de santé. And one of her dear friends, a church member, had invited her neighbor to come to those classes. Et un de ses amis, un membre de l'église, a invité son voisin à une de ses classes. And she had come to some of the classes. Et serait venue à certaines de ses classes. And then the church member invited this friend to come to church. Et là, les membres de l'église ont invité cette amie à venir à l'église. And for several years, she did not do that. Et pendant plusieurs années, elle ne l'a pas fait. And then one day, they were talking, and her neighbor said, "I'm coming to church this next Sabbath." Et une soirée, ce voisin a dit, je vais aller à l'église le sabbat prochain. And her friend said, "Wonderful, I'll look forward to seeing you." Et l'ami a dit, oh, c'est formidable, j'ai hâte de t'y voir. And by the way, we're having a fellowship meal. Et d'ailleurs, on a aussi un dîner. Please come, you don't have to worry about bringing anything. Viens, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de prendre quoi que ce soit. But she was a lady. Mais c'était une femme, une dame. You ladies understand you don't like to come to something without bringing something. Et vous les femmes et les dames, vous comprenez que vous n'aimez pas venir sans apporter quelque chose aussi. She knew this would be a vegetarian meal. Et elle savait que ça allait être un repas végétarien. The only thing she could think of that was vegetarian she made. Et elle a la seule chose à laquelle elle pouvait penser qui était végétarienne, elle l'a fait. And she came and put it in the kitchen. There was nobody there at that time. Et elle est venue et elle l'a mis dans la cuisine. Il n'y avait personne à ce moment-là. She met her friend and they had Sabbath school and church together. Et elle a rencontré son ami. Ils ont eu l'école du sabbat et l'église ensemble. Then they went to the meal. Puis ils sont allés au repas. And she was sitting eating the meal when she excused herself from the table and got up. Et elle était en train de manger le repas lorsque elle se lève. Because she had not seen the dish that she brought. Parce qu'elle n'avait pas vu l'assiette qu'elle avait rapportée. And so she walked into the kitchen. Donc elle est rentrée dans l'église, dans la cuisine. Et il y avait un membre de l'église qui était debout dans la cuisine. She said, "You know, I brought this dish this morning and I don't see it being served." Et elle a dit, vous savez, j'ai apporté un plat, une assiette ce matin et je ne le vois pas. Did I put it in the wrong place? Est-ce que je l'ai mis à un mauvais endroit? And this lady looked at her and said, "Oh, was it this dish?" Et la femme qui était lui a dit, oh, est-ce que c'était ce plat-là? She said, "It's in the garbage can." Elle a dit, c'est dans la poubelle. We don't eat that kind of food here. On ne mange pas ce genre de nourriture ici. Now what she brought may not have been the healthiest dish. Maintenant, ce qu'elle a apporté n'aurait pas été la nourriture la plus saine. She was hurt. Elle était blessée. And she has never been back again. Et elle n'est plus jamais revenue. You see, we must love people more than we love the health principles.
Vous voyez, nous devons aimer les gens plus que nous aimons les principes de la santé. We also need to be, we need to remember that at our health program, it's not the place at our health programs to sell products. Il faut aussi se rappeler qu'à nos programmes de santé, ce n'est pas l'endroit où il faut vendre des produits. We need to sell good information. On doit vendre de la bonne information. We need to educate that way. On doit éduquer de cette façon. When money gets involved, lorsque l'argent est impliqué, problems occur. Les problèmes arrivent. You all remember the story in the Bible of Naaman. Vous vous souvenez tous de l'histoire dans la Bible de Naaman. Maybe not so much the story of Naaman, but of the prophet's servant, Gehazi. Peut-être pas de Naaman, mais des prophètes. 2 Kings 5, it's a wonderful story. Deuxième roi, 2 rois 5, une très belle histoire. A wonderful healing by God. Une guérison formidable par Dieu. But the servant, the prophet's servant Gehazi, just couldn't believe that the prophet would take no money for that healing. Et le serviteur du prophète Gehazi ne pouvait pas croire que le prophète qui guérissait ne prendrait pas d'argent pour ce qu'il faisait. Gehazi, as you remember, lied to the prophet. Oui, donc le serviteur Gehazi a menti au prophète. Il a couru après Naaman. He lied to Naaman. Il a menti envers Naaman. And Naaman gladly gave him more than he was asking. Et Naaman lui a donné beaucoup plus que ce qu'il lui donnait. And he took it home and took it back to his house and left it there. Et il est reparti à la maison et il l'a laissé chez lui. And then he went and reported to the boss. Et il est allé reporter chez le chef. And the prophet said, "Where have you been?" Et le prophète a dit, où étais-tu? And he lied again. Et il a encore menti. But God had shown the prophet what had happened. Et quand Dieu a montré au prophète ce qu'il s'est passé, and he said to him, the leprosy that was on Naaman will now be on you. Et lui dit que la lèpre qui était sur Naaman va maintenant venir sur toi. Too often we get tempted to sell something to the vulnerable. Trop souvent, nous sommes tentés de vendre quelque chose aux vulnérables. And we personally profit by it. Et we make money on it. Et on en fait de l'argent dessus. There are all kinds of unproven health products that can be marketed in health programs. Il y a beaucoup de sortes de sortes de médicaments qui peuvent être vendus et qui sont the list is qui long. Sont pas sains. La liste est longue. We need to remember the story of Gehazi. Mais nous devons nous rappeler l'histoire de Gehazi. And I love the counsel that God gives us in 1 Corinthians 10 verse 33. Et j'aime le conseil que Dieu donne au 1 Corinthiens 10, verset 33. Where Paul says, not seeking my own profit, but the profit of many, that they can be saved. Où Paul dit, ne pas chercher mon profit à moi, mais le profit le plus grand de plusieurs personnes pour qu'ils puissent être sauvés. And the last principle I want to share this evening. Et le dernier principe que je voudrais vous partager ce soir is that our health programs need to be based on sound science. Nos principes de santé doivent être basés sur le son de la science. Sometimes. Parfois, we get tempted to talk about things that
are not physiological. On est tenté de parler de choses qui ne sont pas physiques. Or things that are unproven. Ou des choses qui ne sont pas prouvées. And we need to be careful of that. Et on doit faire attention à ça. I believe, and we have a threefold recommendation from the General Conference. Et je pense, et on a trois recommandations. There are three essential standards. Qui a trois standards essentiels. The first is it is consistent with the Bible. La première est que c'est consistant avec la Bible. And there are health principles that are out there today that are not consistent with the Bible. Et il y a des principes de santé qui sont là dehors à présent et qui ne sont pas en consistant avec la Bible. We strongly recommend it be supported by the proper reading of the counsels of Ellen White. Et on conseille aussi que ça soit appuyé par les écrits et l'édit d'Ellen White. And lastly, that they be evidence-based, consistent with the biblical worldview. Et troisièmement, que ça soit fondé sur des preuves qui sont consistantes avec l'image biblique, avec la vue biblique. Why is this important? Pourquoi est-ce important? I believe there is one reason why, one overarching reason why it is so important. Je pense qu'il y a une grande raison pour laquelle ceci est important. And it is for this reason. Et c'est pour cette raison. The book Counsels on Health, page 452, we read this. Le livre Les conseils de la santé, à la page 452, nous lisons ceci. If they see that we are intelligent with regard to health, they will be more ready to believe that we are sound in Bible doctrines. S'ils voient que nous sommes intelligents dans la notion de la santé, ils seront plus aptes à nous croire que nous sommes des échos et leçons des doctrines de la Bible. Too often. Trop souvent. We think we can say things. Nous pensons que nous pouvons dire des choses that have no basis. Qui n'ont aucun and then there will aucune be people, base. And people will still trust us. Et que les gens vont continuer à nous croire. But I've learned over my career that in every audience there is usually somebody who knows more about at least a small area of science than I do. Et j'ai appris dans ma carrière que dans l'audience, il y a au moins une personne qui sait un peu plus que moi sur ce dont je parle. If I disappoint them, et si je les déçois, then they are less likely to believe what I have to teach, share with them about the Bible. Ils seront moins aptes à écouter et à vouloir écouter ce que je voudrais partager à propos de la Bible. And so, please. Et donc, s'il vous plaît. When you do health programs, quand vous faites des programmes de santé. Make sure you communicate sound principles that you can back up. Soyez sûr que vous communiquez des principes, des sons de principes que vous pourriez appuyer. Because if you don't, parce que si vous ne savez pas, you may actually make it much more difficult to reach people for Jesus. Vous pourriez rendre beaucoup plus difficile de pouvoir atteindre des gens et les amener vers Jésus. Health ministry is a very effective work. Le ministère de la Santé est quelque chose qui demande beaucoup de travail. We need to be passionate about sharing the power of Jesus and his word as the only agents of change in people's lives. Et on doit être très passionné par rapport au fait de partager le pouvoir du Christ et ses paroles
et la prière comme le seul facteur et agent de changement. We need to recognize that health ministry is a process, it's not an event. On doit reconnaître que le ministère de la santé, ce n'est pas, c'est un processus et pas un événement. And we need to be committed to building long-term relationships. Et on doit être engagé à créer des relations à long terme. We need to love people more than we do the health principles. Nous devons aimer les gens plus que nous aimons les principes de la santé. Where possible, we should conduct these programs in the local church. Et il serait mieux de conduire ces programmes dans les églises locales. We need to offer accurate, evidence-based health principles. On doit donner des programmes de santé précis et basés sur des preuves. And we need to offer accurate, solid information. Et nous devons offrir de l'information précise et solide. And when we do, et lorsque nous le faisons, Holy Spirit can guide and bless our efforts. Le Saint-Esprit peut guider et nous aider dans nos efforts. There may not be large numbers that come in all of a sudden. Il se peut qu'il n'y ait pas un nombre large de personnes qui viennent tout d'un coup. Mais quand on continuellement à offrir ces programmes aux communautés, on crée une relation avec ces personnes. Under the blessing of the Holy Spirit, et sous la l'influence du Saint-Esprit, excusez-moi, on peut voir que l'Église grandit. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much. Merci beaucoup.